Cédric? Oui. Vous êtes demandé à la caméra? Nous sommes dans la tente de Cédric. Hey! En termes de qualité d'intro, on est là, je pense. Hey! J'avais pas compris le cue du vue. Ah, ok. On l'a fait. En tout cas. Ça sera à repratiquer. Ah, pendant que c'était vraiment un intro de cul. De cul. Fait que là, bonjour. Bonjour, salut. Cédric. Salut, Cass. C'est une vidéo qui va vous faire plaisir, je pense. Ouais. OK, fait que la gang aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment excitante parce que de un, mon copain est là. Yeah, c'est que je suis excitant. Puis de deux, ben j'ai magasiné pour lui, édition Summertime. Édition. Yeah! Il avait besoin de vêtements, le petit gars. Ouais, ben écoute, je suis bien content. Mais en fait, j'ai réécouté, parce qu'on a fait une fois le concept, j'allais magasiner pour lui dans les friperies. Ouais. Puis c'était quand même un échec, honnêtement, comme vidéo. C'était quand même un échec, là. Il y avait genre deux trucs que t'as aimé, puis au final, avec du recul, parce que ça fait quand même deux ans qu'on a tourné la vidéo, t'as jamais rien porté. Ah non, c'est pas vrai, t'as porté ton manteau. T'sais, ton coat chic un peu, là. Ça, tu l'as porté en crête. Ah oui, oui, ça, c'était vraiment cool. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Non, c'est vrai que le dernier vidéo, tous les vêtements que tu avais achetés, c'était un peu laid. Que même moi, avec du recul, je me suis dit, tu peux faire mieux, Cass. Et je suis pas peu fière de dire que je pense que j'ai fait mieux. Et laisse-moi douter. Non, je te laisse pas douter. Si, prouve-moi là de bord. Ok, sors-moi du linge. Ok, je vais te trouver. Sors-moi du linge. Fait que j'ai fait au total 8 friperies différentes. Et si, ouais, ok, tu t'es donné. Ah non, j'ai fait ça toute la semaine. Là. Ok, fait que il y a vraiment de tout. Ok. De tout gamme de prix. Ok. Je voulais vraiment comme diversifier ta garde-robe parce qu'à savoir que la garde-robe à Cid, c'est moins, hein, 100%. Honnêtement, 95% de ta garde-robe, c'est moi qui t'ai acheté des trucs. Ouais. C'est dit. Fait que... Je suis bien fier. J'espère que tu vas aimer tes vêtements. T'es-tu prêt? Ouais, moi je suis prêt. Hein? Moi je suis prêt. Je me suis assis puis j'étais prêt. Ok, let's go. Mais faut que tu me dises la vérité. Promets-moi sur ton petit doigt que tu vas me dire la vérité. Si tu les aimes ou si tu les aimes pas. Ah oui, esti. Ok, on joue un jeu. Je te le dis 8 sur 10 puis j'essaie de deviner combien ça coûtait. De quoi 8 sur 10? Ben, je suis comme déjà prêt à mettre 8 sur 10. C'est pas cher. Je comprends. Je te dis. Je te dis. Combien sur 10? Ok, combien sur 10? Puis combien ça a coûté, ça? Ok, moi? C'est, okay bon? C'est bon, Premier morceau! Yay! Attends, ouvre pas tes yeux! Premier morceau! Tada! Tu l'aimes-tu? Non. Ah! Tu l'aimes-tu? Oh, yes! Tu l'aimes pas? Il est trop cute! La couleur est full fun! Check, il y a pas de marqué sur le bras. Il est full cute! Ben je trouve ça un bon basic, non? Moi, je suis vraiment pas du genre à porter du linge avec marqué n'importe quoi dessus. Là, genre, mettons, il est marqué Jiminy Peak. C'est clairement un mot. Fait que c'est un gelé souvenir. C'est quelqu'un qui est allé à ce spot-là pis qui a fait « Ah, trop nice, ça me remémore plein de souvenirs, genre les étoiles, la lune. » Ah, bon, mais ça commence mal la vidéo. Non, mais je... Fait que tu l'aimes pas? Pas vraiment, en amour, ouais. Je suis désolé. C'est plutôt laid. C'est ça, je donne un 1 sur 10 là. Mais non, je te crée pas là. C'est un jeu écrit. 1 sur 10? J'aurais vu ça, pis j'aurais juste fait genre. En fait, j'aurais sûrement pas vu. Mes yeux auraient même pas. Mes yeux auraient même pas comme stagné ce shirt là. Il aurait sûrement fait genre, ça existe pas. Mais t'sais. Voyons donc. Ok, combien tu penses que je l'ai payé? Ben, j'ai pas là, 2$. Mexico en plus. Je l'ai payé 25$. T'as payé ça 25$, man? Tu me fucking niaises. C'est ma première trouvaille. Tu rembourses ça, mon truc noir? C'est échangeable seulement. Ah, mais voyons donc, tu l'aimes c'est pas. C'est Massachusetts. 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 Il est marqué Massachusetts, ce style. Et toi, tu l'as massacré en tabarnak un Massachusetts. J'ai massacré Massachusetts, mais. J'ai jamais allé à Massachusetts. Désolé, amour. Bon, oui, en tout cas, ça. Ben, en même temps, vu que c'est le premier, ça peut que mieux aller, non? J'ai même pas besoin de l'essayer. Ça peut pas être pire. Non, tu vas l'essayer quand même. Ok. Ok, je vais aller chercher quelque chose d'autre. En espérant que ça va être mieux. Let's go. C'est trop beau. Ok, t'es prêt? Ah, je suis stressée, parce que là, tu l'aimes, ce morceau-là. Mais je les aime toutes! Sinon, je les aurais pas choisis. Tu l'aimes, ce morceau-là. Tous les morceaux, je tiens à dire, je les aime, là, sinon, j'aurais choisi autre chose. Ok, on y va. Ok. Ouais, wow, tes réactions sont lentes. Non, je l'aime beaucoup. C'est oui? Cool. Ouais, ouais, cool. Elle est trop belle! Elle est trop belle! Summer vibe, je suis genre. Je suis comme je m'appelle Steve et je m'en vais à Cancun, là, tu sais. Non, elle fait pas Steve Cancun. Ben, c'est cool. Elle fait pas Keten. Ok, tu penses que j'ai payé combien? 20$ aussi. 15? J'allais dire 15. 15, quand même pas pire. Ouais, non, c'est un bon choix, ça. Ça, c'est un 7 sur 10. Là. Yeah! La vidéo va de mieux en mieux! Je vais porter ça, là. Wouhouhou!
Yeah. Mais même avec ça, ça serait beau que tu mettes ça par-dessus. Ouais, ben oui. Check, ça serait super beau, c'est full contraste bleu et orange. Wow, c'est fucking hot. Oh my god. Avec ça, je suis comme un genre de Steve Fashion. Fashion Steve. J'adore. Merci. Next! T'es prêt? Ah, il reste juste 10 morceaux! Juste 10! Stay tuned! Stay tuned! Ferme tes cadeaux! Ok, là, t'es stoke, là. Mais non, mais je suis tout le temps stoke! Je suis tout le temps contente! C'est tout des trucs, ça, des cadeaux que je t'achète, là! Moi, je suis contente, là! Ok. Ça, je pense que tu vas aimer la couleur. Okay, t'es prêt? Ouais. Ta-da! Une chemise. Longue. Elle est belle, là? Elle est belle. Belle. T'as mis le figure? Ben oui, amour. Un beau orange? Peut-être que sur moi, ça va bien faire. Elle est super belle. Ben oui, elle est cute. Elle est super belle. Excuse-moi. Ça, c'est grand-papa Adélard, là. Ben non, là, tu vas-tu arrêter de donner des noms? Non, non. Puis des époques, puis des thèmes, des vêtements? Je suis capable de personnifier la personne qui apporterait, là. Grand-papa ben Adélard, des tops. Tout est une question d'assurance et d'attitude. Si tu te crois cool dans cette chemise-là, tu vas être cool dans cette chemise-là, tu comprends? Ouais, je comprends. Pour l'instant, dans combien ma tête... Combien tu penses que j'ai payé? 7 piastres. Ben t'es bon, mais tu sais, c'est 50. Parfait. Au Renaissance! Pour l'instant, je te dirais que c'est un 5 sur 10. Tu as même pas la note de passage? Genre, c'est un 5.8, ton prof fait comment? Ok, on va te mettre un 0.2 pour toi. Okay. Ok, ça me va. Okay, ça me va. C'est pas super. Ça va bien? Ça va mieux que la fin de vidéo? Ça va bien! Si je suis comme, j'ai passé sa fesse, ça va mieux que mon école au secondaire. Ouais, clairement, ça va mieux que mon école. Yeah! Fait que ça, ouais. Je t'ai acheté ça en fait parce que t'en avais déjà, mais ton gros cul rentrait plus dedans. Puis j'en ai trouvé. Des short jeans élastiques! Ils sont pareils. Ils sont pareils, mais c'est des 36. Exactement la grandeur pour ton basse! T'es tout content? T'en avais plus des jeans, je me rappelle très bien que tu m'as dit « Je rentre plus dans mes jeans l'année passée. » J'étais comme... T'es juste en train de dire à tout le monde que je suis get fat pis que... Mais non, mais c'est pas grave, mais là, moi tout, je rentrais plus dans mes shorts, là. Écrivez dans les commentaires si vous rentrez plus dans vos shorts, question qu'on fasse une team de gens qui rentrent plus dans leurs shorts. Ouais, mais toi, c'est parce que tu t'entraînes. Mais toi aussi, tu t'entraînes, né? Ouais, ça c'est définitivement un genre de 8 sur 10, là. Ça passe partout, ça va bien, c'est cool, des jeans. Fait que tu penses que je les ai payés combien? Quand même des Levi's. Ouais, après moi, 35$. Là. 30$. 10,99$! Oh, big deal! Big deal, au Village des Valeurs. Big deal! T'es content? Ouais, ça je suis content, ça c'est cool. Combien sur 10? J'ai dit. Non, je m'en rappelle pas. J'ai dit 8 sur 10. Ah, avez-vous entendu, vous? 8 sur 10? Moi, je l'avais pas entendu. Fait que je me confesse. Okay. Funky One. J'ai osé. Je me suis dit, je le trouve beau. C'est moi qui magasine pour mon chum. Fait que je vais y acheter. Mais Funky One, je sais pas ce que tu vas en penser. Ah, c'est sûr, j'haïs ça. Mais non! Hé, hey, parle pas avec des mauvaises intentions, c'est là. Si je touche le tissu en ce moment, je suis... Hey, non, ça, c'est mal élevé. Hé, ça, c'est mal impoli. Impoli. Incrivez dans les commentaires. C'est vrai, impoli. Oh shit, fucking shit, fucking shit, shit, shit! C'est trop-tu bon? Shit! Je suis content, genre! Attends, est-ce que ça veut dire que c'est beau ou c'est pas beau? C'est fucking sick! Tu l'aimes? 10 sur 10. Non, t'as, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises. Tu me niaises ensemble. Non, c'est tu no ris joke. De ma gueule. No fucking joke. Tu ris de ma gueule. No fucking joke. Mais je pense encore que tu ris de ma gueule. Tu ris-tu de ma gueule? No joke. Non, mais regarde moi puis dis-moi. Ok, sérieux, parce que je sais pas. No joke. Je dis, je l'aime! Je l'aime au bout. Mais par contre, ces gilets-là, souvent, c'est le fit. Quand tu l'as sur le dos, c'est vraiment de la merde. Mais je le trouvais trop beau, je me suis dit, je vais quand même l'acheter, puis au pire, il fera pas, puis on ça, va c'est s'en remettre. Mais ça, je voulais moi, l'essayer. Ça, moi, c'est un 9 sur 10. Tu penses que je l'ai payé combien? 20$. 7,50! 7,50! Mega deal au Renaissance! Mega deal! Il est trop beau! Yay! Ben là, voyons, c'est donc cool! Ah, c'est un Tassani! Tu connais Tassani? Non, pardon. Ah. Pourquoi qu'on a arrêté de parler et qu'on fait des passes à la maison? Ok, prochain! Dans le fond, celle-là, je suis pas sûre que tu vas l'aimer, mais c'est un bon baiser qu'il y a à avoir dans sa garde-robe et tu n'en as pas. C'est un bon passe-partout. J'ai l'impression. Je la trouvais vraiment stylée. Ouvre tes yeux! Ben, elle est cool, est-ce que tu... Oui, elle est cool! Rapport... Tu l'aimes? Mmh, je vais apporter en février. Non, mais c'est ça. C'est sûr que c'est pas de saison, là. Non, mais c'est en février, tu peux pas savoir sur quoi tu tombes, hein. Tu penses ça juste quand tu vas à la cabane à sucre? Non, non, par exemple, ça, non. Non, ça, je n'accepte pas ça. Tu peux mettre ça n'importe quand. Ça, pas juste la cabane à sucre. C'est Canada.
Combien tu penses que je l'ai payé? Chemise de bûcheron de qualité quand même là. Ben oui! 20$. Si c'est 50! Hein? C'est fou! C'est fou là, je me suis surpassée là. Combien sur 10? Ça c'est un... 7 sur 10, 7.5 sur 10. Yeah! Bébé, t'as pas dedans! Je sais pas si tu vas la mettre souvent par contre. Mais non, tu la mettras pas tout le temps, mais quand tu vas la mettre, tu vas être content de la mettre, puis tu vas être genre merci bébé. Oh oui, ça fait jeune, c'est comme un jeune bûcheron, un apprenti bûcheron. Ouais, mais un bûcheron est quand même stylé, genre. Ouais, un bûcheron fucking hot! Un bûcheron sexy. Fucking chaud, man. Sexy le bûcheron. Ouais, ben ouais, je le baisse en effet. Il va bûcher, puis il mange le cul après. Ah! On en reparlera. Dans l'autre vidéo qu'on avait faite, j'en avais trouvé. Puis là, j'avais jamais remagasiné ça pour toi. Puis là, je suis tombée sur celle-là. Et ma foi, je suis sous le charme. Et j'espère que ça va être réciproque. C'est un veston? Chris, il est beau. Il est beau, ouais! Yo, je le trouvais tellement beau. C'est beau, man. Il est méga beau, là. Genre, j'aime tellement les petits détails. Genre, juste les petits détails, je trouve le fun. C'est un veston d'hiver, ça, hein. Il est fucking beau, hein. Je pense qu'il va bien t'aller aussi. Il est vraiment oversize, il est vraiment grand. Il est super beau, amour. Ça, c'est un autre 7.5. Là, c'est un 7. C'est un 7 sur 10. Fait que je pense que c'est un veston vieux. Mais j'ai hâte de l'essayer. Ah non, voyons. Arrête de juger les vêtements sur leur apparence. L'important, c'est qu'ils portent le vêtement, ok? En ce moment, si c'était un Serge 52 ans, ça serait un veston vieux. Mais là, c'est un Ced presque 32 ans. Ok? C'est pas la même chose, là. Okay. On parle pas du même veston ici, ok? Okay. On parle d'un veston que Cédric va porter, non pas Serge. Je vais le porter. Fait que tu penses que je l'ai payé combien? 15$. 7,75$! C'est malade, j'en ai. C'est malade, là! Pour vrai, à date, c'est juste le premier shirt qui est super laid, puis la chemise orange qui est correcte. Le reste, c'est comme ça passe tout, là. Ok, cool! Prochain! Prochain truc, je l'ai acheté parce que moi, je trouvais ça beau et je t'ai jamais vu avec ce genre de truc-là. Mais je suis persuadée qu'on a quelque chose. Puis même que je trouve que ça peut fitter avec plein d'autres affaires que je t'ai acheté. Oh, ça fait pas. Le dernier coup, par contre, que tu me dis, je t'ai acheté de quoi de bizarre que tu portes pas, c'est des cols roulés. Puis finalement, j'ai adoré. C'est ça, fait qu'on a quelque chose. Moi, je pense que ça va donner ta paire de pants. Bref. Puis je trouve que ce que j'aime de cette paire de pants-là, c'est qu'elle peut faire autant stylé que chic, j'ai l'impression. Ouf, des okay. Pants stylés. Ok, regarde. C'est tellement pour mon vibe. Les pants normales? Et non, ils sont pas normales, la coupe est magnifique, la couleur est full belle. Justement, t'as pas de pants comme ça, là. Non, alors, les pants sont fucking beaux, mon cul. Mais oui, ils sont beaux. Ouais, ils sont vraiment beaux. Ils sont beaux. Ça, c'est genre un... Ça, c'est un 9 sur 10, là. 9 sur 10? Mmh. Tu penses que je les ai payés combien? J'ai payé 10$. Oui! Yeah! Bravo! Mais pourquoi t'es trop vraiment beau, mais t'as une face de marde? Non, j'ai trouvé super beau. Mais tu l'as à ta face? Ben Chris, tu me dis, elles sont super stylées, spéciales, t'en as pas vraiment, Chris, des pantalons. Tu les as pas encore essayés. Ils ont un petit je ne sais quoi. Et pour aller avec ça, j'ai trouvé quelque chose. Un gilet basic? Non. Ok. Ferme tes yeux. Allons-y. En fait, je dois l'avouer, je l'ai acheté parce que je trouvais vraiment que ça va faire ressortir tes yeux. Oh, chiche! Parce que tes yeux sont beaux, on les met pas toujours en avantage. Chiche! Regarde! Oh my god, yo! Cette chemise-là... Elle est belle, hein? T'es un peu frippé. Ok, cette chemise-là, ça c'est beau. Tu vas être sexy à souhait. Ah oui! Ça, c'est un 10 sur 10, ma fille. Ok, mais ça, avec un gilet blanc en dessous pis ces pants-là, ça va être magnifique, là! Oh my god, c'est une vraie chemise hawaïenne, là. Il y a même des boutons en bois, là. Attends, faut pas que tu regardes le prix. 12$. Ah bon, 12$, ça c'est maintenant. Devinez. Je l'ai acheté au Village des Valeurs, avec ce pantalon-là en même temps. Vraiment, vraiment. Là, c'est des belles trouvailles au Village des Valeurs. Là. Sur quelque chose qui, ouais. Tu vas voir, ça fait partie de la famille des autres choses que je t'ai achetées. Là, c'est comme, ça fait partie de la famille. C'est une chemise en moyenne? Oui! Oh! Elle est trop belle! Ben, je sais pas. Pas sûr. Tu niaises-tu? Comme ça ressemble à toutes les autres chemises hawaïennes. C'est genre un... 6.9. Ok, tu penses que j'ai payé combien? Celle-là, genre 25$, là. Fucking cher. Elle m'a coûté 30. Ben, tu vois. Déception. Je l'aurais pas acheté, mais j'ai hâte de l'essayer pour voir, tu sais. Ouais, elle est trop belle. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle est plus belle de même, là. Tu sais, on dirait que tous les vêtements que je t'ai achetés fit un peu, genre, tu trouves pas? Check, ils sont tous dans les mêmes teintes de couleurs, genre. Ouais, c'est tout pareil. Ça, c'est un de mes bons coups de cœur. Ah. Et je pense que tu vas être excitée parce que c'est ta couleur préférée. Et tu en avais pas. Et on a voulu en trouver, mais on en a pas trouvé. Regarde. Ma couleur préférée, c'est... orange. Hein? Malaise. Regarde. Tabarnak. Ils sont beaux.
Ils sont beaux, là. C'est un orange un peu malade, mais... Zéro malade, le orange, check. Zéro malade, là. Il est orange très flash. Orange en santé? Non. Orange un peu malade. Mais à la limite, moi, je dirais que lui, il est plus en santé que lui. Mais non, de quoi tu parles? Lui, il est bien plus beau, lui, il flash. Lui, il a un teint, puis lui, il est pogné genre la grippe aviaire. Ah non, je suis pas d'accord, mais pas du tout, là. Celui-là, il est genre, ouf, yeah! Celui-là, il est genre, je suis un peu terni par la vie. Tu comprends? Ça, t'es c'est pas content? Quand je les ai vus, j'étais genre, oh mon dieu, Seth va crier quand il va les voir. Oh ouais. Mais t'en voulais des shorts comme ça, orange, mais ils étaient 150$ au fucking Simons. Oh, mais ils étaient fucking belles, les shorts orange. Mais ils sont fucking belles, c'est des. Chris, c'est des polos. C'est des Ralph Lauren en plus. C'est vrai, ils sont belles, ils fitent. Ah, oh, finalement, monsieur a vu la marque. Finalement, ils sont belles. Non, non, mais tabarnane, là, je veux dire, c'est un orange malade. C'est pas orange. Pour l'instant, c'est un 6 sur 10, jusqu'à temps que j'aille sur le dos, mais peut-être qu'avec la chemise, justement, qui est un 6.9 sur 10, ça va être un 8 sur 10 les deux ensemble. Ça, je pense que c'est un fit. C'est pas. Tu peux pas y porter de ça. On essaie. J'ai quelque chose d'autre pour toi par la suite qui fitterait avec ces shorts-là. Avec ma couleur préférée? L'orange. Mais c'est cette semaine. Orange et vert, ta couleur préférée. Mais je pense que je préfère vert. Ben là, c'est toi avant que je fasse ma vidéo. Non, mais j'adore l'orange aussi. Mais t'en avais pas, ok? Quand tu penses que je les ai payés? Ben, je les ai achetés au Evadé. Ben, ça, tu as payé 30$. Ah, je pense que c'est exactement ça. Oui, 30! Êtes-vous prêt pour le dernier vêtement? Ouais, je suis tellement prêt pour le dernier vêtement. J'ai une histoire à dire. OK. Mais je vais aller chercher, je vais dire après. OK. Ferme tes yeux! Raconte ton histoire. En fait, l'histoire du gilet, c'est que la première vidéo qu'on a faite, que je t'ai acheté les vêtements, je t'ai acheté un gilet qui était marqué « L'école des fathers », des pères. Ouais. Tu te rappelles, tu l'avais full aimé. Ouais. Pis là, je suis tombée sur ce gilet-là qui fait honneur à notre première vidéo et qui va te faire patienter jusqu'à temps que tu sois père. T'es prêt? Ouais. Ta-da! C'est... Il est trop cute! Master de la télécommande, la personne qui porte des pantalons beige dans la famille. Yo, ça va tellement être beau ça pis ça! Oui! Fait que, ouais, il est super cool le shirt, mais tu sais, je pense. Hey, il est beau, il est full beau! Je suis pas père, mais c'est non, ça. Mais c'est drôle! C'est pour te faire patienter jusqu'à temps que tu le sois. C'est hot! C'est, ça pis ça ensemble, c'est un crise de fit aussi. Mais avoue, c'est ça, c'est fucking beau! Moi, j'aime pas la couleur de ce gris-là aussi. Moi aussi, tu penses que j'ai payé combien? T'as pas payé ça de 40$, là. Plus? Ta gueule! C'est pas échangeable ni remboursable! T'as pas payé ça combien là? 45. Paye ça 45$, un chandail, papa. Ouais. Je suis pas encore papa. Mais c'est pour te faire patienter jusqu'à ce que tu le sois, tu sais. Parce que c'est dans nos plans futurs d'avoir des enfants. Merci, amour. Ça me fait plaisir. C'est une belle attention, hein. Merci, mon petit amour. C'est gentil. Tu m'as acheté full de linge encore. Oui, t'es-tu content? Oui. C'est tout pour toi. Mais il y a des affaires que t'aimes pas. C'est trop gentil. T'as porté comme 9 sur 10, là. Ah, mais c'est bon! En fait, t'es père, t'as Paul. Oui. Non, regardez Paul. Fait dodo, ici. Il est beau. Alors, si, ça, c'est clairement un père, regardez. Père et fils. Conclusion. Conclusion de cette vidéo, Cédric. Aurais-tu deux petits mots à dire? La conclusion, j'aimerais tout d'abord remercier ma femme d'être aussi généreuse de son temps, de son argent, de son amour, d'être allée chercher 12 nouveaux pieces que je pourrais mettre dans ma garde-robe. Merci. Plaisir! J'étais... Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir été présent lors de mes réactions. Ton absence de réaction. Ou mon absence de réaction. En espérant vous voir dans la rue. Vêtu de ses vêtements. Mais non, pourquoi ils auraient ça? C'est à toi. Pourquoi il n'y a rien les vêtements? Oserais-tu dire, Cédric, que cette vidéo est une réussite? Cette vidéo est un 7.5 sur 10. Cette vidéo est une réussite! Yay! Yeah! Écrivez dans les commentaires c'est quoi votre morceau préféré que vous avez fait comme oh my god, Cédric est bien chaud là-dedans. Fait que sur ça, écrivez dans les commentaires aussi si vous voulez une partie 2 de cette magazine pour moi. Ah, c'est sûr. Parce que Cédric, il veut pas le faire. Non, ça me tente pas. Mais si eux, ça leur tente. Je m'en colle ici. Hey! Tu veux-tu te faire ça, toi? Ok! Fait que ben, sur ça, on vous aime. Puis ben, c'est ça, je t'aime aussi. Salut, merci beaucoup. Je vous aime. Ah, je t'aime aussi. Qui notre intro, notre conclusion, c'est de la mort! Bye!